Bon, oui, non, je promets, je te redonne la parole. On va partir parce qu'il y a Faya qui patiente depuis longtemps au téléphone. Docteur Faya Milimono qui était également de cette rencontre. Il est en direct. Bonjour, docteur Faya Milimono. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à votre équipe de Mirador. Bienvenue. Et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue. Alors, la même question pour vous. Que s'est-il passé à cette rencontre? Que sait-on des échanges, du contenu des échanges entre le CNRD et vous, leader politique présent à cette rencontre au Camp Samori? Ce qui s'est passé globalement est quelque chose de très positif pour notre pays parce que nous avons utilisé les faits pour nous exprimer les uns vis-à-vis les autres. Le CNRD a commencé par déplorer le fait que des leaders politiques que nous sommes, nous nous fondons sur des rumeurs pour asseoir nos discours. Les rumeurs concernent quoi? Les rumeurs concernent un prétendu candidat du CNRD. Les rumeurs concernent un agenda qui viserait à éliminer des candidats. Là-dessus, le CNRD a été clair. Ils ne sont pas candidats, ils n'ont pas de candidat et ils n'ont aucun agenda d'éliminer qui que ce soit. Ils nous ont dit, ils ont fait un long constat que chacun de nous connaît. La République de Guinée est à location. Toutes les institutions de la République, excepté quelques-unes, sont en location et ça coûte des milliards au peuple de Guinée. Aujourd'hui, 28 ministres n'ont pas de logement. Ils ont les logements privés, mais ça peut être derrière Koya. Ceci a amené le CNRD à prendre la décision de s'attaquer à un dossier dont il savait que ça causerait des mécontents, parce que quand on touche à un intérêt, naturellement, ça va faire des mécontents. Mais avant de commencer cela, même le président Doumbouya, qui avait baillé un bien de l'État, il l'a rendu. Il y a des ministres, il y a des membres du CNRD, il y a des membres du gouvernement qui sont concernés par la mesure. Il y a des officiers supérieurs qui sont concernés par la mesure. Mais, et je crois ce qu'on peut être aussi d'accord avec eux, c'est que depuis qu'on a mentionné le nom de deux leaders, tout le monde s'est emparé de ça pour en faire un problème, soit de ces loups ou de Sibia. Je crois qu'on fausse complètement le débat en allant dans cette direction. Ils nous ont dit clairement qu'ils ne vont pas reculer par rapport à ce dossier et qu'ils ont jugement sur la question est que aucun civil élu demain ne s'attaquera à ce dossier-là. La preuve, Alpha est venu, ça fait 11 ans il en parle, il n'a pas pris un seul pas par rapport à cela. Ça va faire le mécontent, c'est vrai, mais la République ne peut pas continuer à être en location. Ils ont dit clairement qu'ils ne vont pas reculer par rapport à cela. Ils nous ont fait savoir que les informations qu'ils ont leur permettent de nous dire qu'il y a aujourd'hui l'argent qui circule dans les quartiers pour mobiliser, n'est-ce pas, des jeunes à une manifestation. Ils ont attiré l'attention de la classe politique sur le fait qu'il y a eu déjà trop de morts dans ce pays à cause des manifestations. Et parmi les civils, et parmi les militaires, il y a eu trop de blessés, il y a eu trop de destruction de biens publics et privés. Ils ont invité la classe politique à s'inscrire plutôt dans la voie d'accompagner cette période transitoire à sa réussite. Et que la réussite de cette période transitoire ne sera qu'au bénéfice, non seulement de la Guinée dans son ensemble, mais particulièrement au bénéfice des hommes politiques qui, des femmes et des hommes politiques qui ont le rêve de diriger ce pays. Ils sont revenus sur la fermeté par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Nous qui étions en face d'eux, nous avons pris la parole et je crois que nous avons dit trois choses essentielles. Bien. Chacun est revenu tous là-dessus. Oui. Premièrement,
un dialogue est nécessaire pour ne pas qu'on ait à deviner chacun ce qui est en train de se passer dans la tête de l'autre. Tout le monde est revenu là-dessus. Deuxième chose, tout le monde est d'accord que les réformes engagées continuent dans l'intérêt général, dans l'intérêt de, général de notre pays. Oui. Et la troisième chose, chacun a insisté sur la nécessité que ça s'inscrive dans la voie de la justice, que la justice demeure la seule boussole. Oui. Le reste, c'est des détails, mais c'est en cela, c'est comme ça que je peux vous résumer ce qui s'est passé entre le CNRD et la classe politique. Ils nous ont dit que les notes ont été prises par rapport à ce que nous avons dit et que compte rendu sera fait à l'autorité et en communiqué du CNRD pourrait suivre. D'ici le week-end. Bon, pourrait suivre. Alors, suivre. pas de deadline. Oui, allez-y, Akumba. Monsieur Faya, j'avoue que votre discours est très structuré. Ouais, très structuré. Je pense que ça a mis un peu de l'eau dans mon vin. Hein. Je voudrais vous rappeler ceci avant de vous poser ma petite question. Quand on dit que la République de Guinée est en location, vous avez fait les États-Unis, vous savez que le président américain est en location. Mais ceci n'est pas ma question fondamentale. S'il y a une présomption que des leaders sont en voie de parrainage par la junte, c'est parce que probablement il y a eu un certain nombre de faisceaux qui ont été analysés. Je prends le cas de l'ANAD, par exemple, qui avait 4 candidats pour le CNT qui s'est retrouvé avec un seul élu. N'est-ce pas là un petit paramètre qui pourrait alimenter une suspicion? Deuxième question, quand on dit que c'est seulement quand ces deux leaders, Sélou Dalein et Sidya Touré, c'est quand ils ont été concernés qu'il y a eu bruit, je pense que certainement le CNRD est dans une tour d'ivoire pour ne pas entendre les cris qui sont soulevés ça et là lors de la restitution des cases de Bellevue. Est-ce que vous trouvez cela logique? D'abord, les faits que vous appelez pour fonder votre question. Sur la question du choix au CNT, je crois que j'étais passé dans votre émission Mirador pour donner mon point de vue là-dessus, mais je crois qu'en ce moment-là, on n'était pas prêt à s'écouter. Ce que je comprends de ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas donné de quota à des coalitions. On a donné un à des partis. C'est-à-dire que le RPG a eu un, l'UFDG a eu un, le BL a eu un, d'autres ont eu un. Il y a 180 partis politiques légalisés et plus de 100 partis qui ne sont pas légalisés. Comment on aurait dû le faire? Je crois que ce n'est plus important parce que c'est derrière nous. Sinon, je tiens à rappeler, et je l'ai dit quand vous m'avez appelé ce jour, j'ai suivi tous vos commentaires, on aurait pu en tant que classe politique, nous entendre sur les 15 et les déposer que d'envoyer 130 dossiers et se mettre à dire on a choisi ceux qu'on n'avait pas. Tous ceux qui ont été choisis avaient les dossiers envoyés par une entité là-bas. Et donc, c'est des partis politiques qui ont été concernés et non. Et c'est là où on piège le débat quand on prend le RPG arc-en-ciel et allié et ensuite l'ANAD et allié. C'est pas des coalitions qui ont été servies. Oui, mais des partis concernés individuellement, oui. Voilà, c'est des partis qui ont été concernés. Et c'est pourquoi quand ils ont dit le nom de Mme Sabassé Nitonamou, ils ont mis Bloc Libéral. Ils n'ont pas mis CPR, ils n'ont pas mis FDD ou FPP. Donc, ceci est clair. Bien. Maintenant, vous parlez de la question du retour. Encore une fois, ce que la classe politique devant le CNRD a dit, c'est que la loi et la justice soient la boussole et demeurent la boussole. Un dossier, quand vous prenez les cases de Bellevue, les historiens ont un avis à nous dire là-dessus, mais ce qui est très important, c'est le droit. Tout ce dont on est en train de parler, le souhait pour Faya Mirimono, pour mon parti, c'est que personne ne soit primé dans ses droits. Mais si quelque chose appartient à l'État et ça n'a pas été acquis conformément à la loi, que ça revienne à l'État.
Est-ce que c'est le cas des c'est le cas des résidences des deux anciens premiers ministres? Pardon? Est-ce que vous êtes pour que les deux anciens premiers ministres, dans le cas fait polémique aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour que ils reviennent, ils retournent les résidences? Oui. Je ne vais pas répondre spécifiquement au cas qui concerne deux anciens premiers ministres. Ça concerne des centaines de Guinéens dont je suis en train même de répertorier la liste. Je considère que Mounir, Damaro, Namtou, etc., Selou Dalein, Sylvia Touré, c'est des anciens commis de l'État. Si vous voulez savoir mon point de vue personnel, oui, c'est que l'État guinéen a un travail à faire. Le travail que nous avons à faire, c'est que tous ceux qui ont servi l'État, encore que nous servions l'État avec vertu, que ceux-là ne fassent pas l'objet de polémiques comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que c'est quand même des personnes qui ont servi la République au plus haut niveau, qui ont représenté ce pays à des rencontres internationales, etc., etc. Je ne souhaitais pas personnellement qu'il soit au cœur des polémiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien, on va prolonger l'interview avec vous, Dr Faye Amilimono. C'est très, très intéressant, le discours que vous tenez ce matin. On va grignoter dans le temps de votre ancien poulain. J'espère qu'il va accepter Ali Ouba. Donc, on va vous croiser un peu dans la troisième partie de notre émission. Ali Ouba, président du Model, anciennement donc au sein du BL. Tous les deux, on continue le débat avec eux dans la troisième partie de notre émission. Docteur Faye Amilimono, de retour. Rebonjour, Docteur Faye Amilimono. Rebonjour, Monsieur Diallo. Bien. Dernière question à lui poser. Allez-y, Mohamed. Alors, Docteur Faye, d'abord, joyeux anniversaire de 9 ans du Bloc libéral. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, je voudrais revenir un peu sur la... Et sur ce plateau, un de ceux qui ont quand même participé à la construction du BL, en l'occurrence, votre ancien poulain, M. Ali Ouba, qui a aussi posé son empreinte sur la construction du BL. Peut-être un mot à son endroit. Il fait partie de l'histoire de ce parti. Je dis d'ailleurs bonjour à mon frère Ali Ouba. Bien, merci. Effectivement, il a fait une contribution très remarquable à la naissance de cette maison qui continue sa marche vers Victoria. Bien, voilà qui est bien dit. C'est un langage codé. Esprit de grandeur. De grandeur, mais doit-on dire qu'ils ont fait désormais la paix des braves? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème entre les deux. Qu'ils le disent ouvertement. Faut pas en créer, non. Je n'en crée pas qu'on le dise ouvertement. Non, non, faut pas en créer. Abouaka, c'est un langage codé. Bonjour, Aliou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous répondez quand même au bonjour de Dr Faye Amilimono. Oui, naturellement. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? J'espère que la famille se porte bien. Comment ça va, Lio? Bien. Ouais, ben écoutez, on n'a jamais été en guerre ni en conflit. Vous avez on la a preuve. Juste des convictions qui se sont séparées à un certain moment, mais cela s'est passé dans toute la courtoisie. Il va de soi, voilà. C'est la meilleure façon de se séparer. Honnêtement, j'ai toujours suivi les deux. Ça se passe dans la plus grande, dans le plus grand fair play. Honnêtement, j'admire leur façon Et figurez-vous dans la vie sociale, dans la vie privée, on a de très bons rapports. C'est très bien dit. Donc ne créez pas de problème là où il n'y en a pas, mon ami. Je n'en crée pas, monsieur. Je vais revenir à ma question. Bien. Alors, docteur, je vais revenir sur la question de Mamadou Ouri. Est-ce qu'au cours de la rencontre hier, il a été question d'une menace au problème de la fermeture des sièges des partis politiques et du retrait des passeports? Écoutez, j'étais là, j'ai suivi comme tout le monde, mais peut-être qu'on peut dire que mes oreilles m'ont trahi. Ce que j'ai entendu, c'est qu'à un moment donné, le CNRD a rappelé qu'au lieu qu'aujourd'hui, on pousse les gens à présenter le CNRD comme le démon, qu'on se rappelle qu'à un moment donné, une autorité civile élue, légitime, avait confisqué les passeports à certains d'entre nous, ce qui est vrai, avait même empêché d'autres d'aller se traiter ailleurs, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ouais. Et il y en avait qui étaient en exil. J'ai entendu parler de passeports, de sièges, en ce moment-là. Mais peut-être que ce sont mes oreilles qui m'ont trahi, si d'autres ont entendu
que c'est une menace qu'on va retirer les passeports. Je n'ai pas entendu ça de cette façon. Honnêtement, peut-être que... Teliano, il raconte sa vie, peut-être. Mais Makanela raconte aussi. Oui, mais aussi. Makanela, peut-être que tous les deux, ils racontent leur vie. Parce que... Mais honnêtement, personnellement, j'ai eu du mal à croire à cela que la junte en soit venue à dire, à menacer de fermer les sièges et à retirer les passeports. Dites-moi que ce n'est pas vrai, docteur. Non, non, pas du tout. En fait, ça a été très, très courtois, il faut le dire, contrairement à ce que les gens sont... Donc c'est faux, c'est que Teliano et Makanela ont raconté, hein. C'est totalement faux. Oui, mais il faut le dire, c'est faux. Oui, mais c'est faux. Mais bien sûr, oui. C'est vrai que dans notre pays, quand on dit la vérité, les gens peuvent interpréter qu'on nous a insultés. Mais la vérité demeure la vérité. Je crois que ce qu'ils ont dit, ils se sont fondés sur des faits. Bien. C'est pourquoi, après leurs interventions, chacun des leaders a pris la parole. On a dit la même chose. Premièrement, on est d'accord sur ce qui est en train de se passer et nous sommes prêts à accompagner, mais qu'il y ait un dialogue et que la justice soit la boussole. Les trois choses, tout le monde a martelé ça. Bien, voilà qui est bien dit, Dr. Faya Benimono, président du Bloc Libéral. Merci à vous, docteur. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Grand merci pour. Merci beaucoup. Bien, c'était donc Dr. Faya Benimono.